Mon médecin m'a déclaré diabétique hypertendu et m'a offert une belle dose de 4 médicaments qui étaient nécessaires à ma vie. Donc, automatiquement pour moi, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Mais je savais que ça ne serait pas à court terme. C'est du long terme. Je n'ai pas terminé de me rendre où je veux me rendre. Let's go, let's go, let's go. Lâche pas. Pousse-nous ça, 10 secondes à faire. Ça va bien. 5 secondes. Let's go, let's go, let's go. Jusqu'au bout. C'est bon. Vous savez, une des bonnes idées que le Grand Défi Pierre Lavoie a eue, c'est d'installer dans le Grand Défi une cinquième personne qui fait partie de l'équipe, qui est un ancien sédentaire. C'est une idée merveilleuse. C'est une idée qui est accessible. Mais il est certain qu'il faut travailler pour y arriver. Mais moi, personnellement, c'est ce qui me fait avancer. Cette année sera mon troisième Grand Défi Pierre Lavoie et je suis encore aussi excité d'y participer. Dans mon cerveau, dans ma tête, il s'est passé un moment où je me suis dit comment je le fais et pour qui je le fais. Pour qui je le fais en premier, pour moi, c'est normal. J'ai des enfants aussi, j'ai deux belles filles, j'ai un petit-fils. Je le fais pour eux aussi. Mais je le fais aussi pour être contagieux envers tous les gens qui sont comme moi. Il est certain qu'au niveau de ma santé, si je prends mes tensions artérielles ou je mesure mon taux de sucre, c'est extraordinaire ce que je peux voir ou ce que je peux lire. Okay? À comparer à ce que c'était il y a 5 ans, ou surtout. Mais comment je peux voir que je progresse, c'est le plaisir de vivre. Parce que je suis pas sûr qu'on serait encore là pour se parler. Le plaisir de vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans 3, 2, 1, on est parti. Même affaire que tantôt. Continue. Pour moi, personnellement, un entraîneur a été un gros avantage. Good, super. Continue comme ça, ça va bien. Un entraîneur m'a aidé à avoir cette régularité-là qui est si importante. C'est très facile les matins à moins 25 de demeurer à la maison avec son bol de café. Mais c'est tellement gratifiant quand vous sortez de la douche après avoir pris la décision d'y aller. C'est un plaisir fou. Super, la respiration. 13, encore 2. Let's go. Ça va bien. De maintenir la cadence et de pouvoir installer dans notre agenda cette cadence-là. Cette cadence si importante de régularité. Il faut bouger, il faut bien manger, il faut bien vivre.